Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine Pluriel, Théophile Dandakou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le gouvernement a bouclé à Accra le premier séminaire de l'année 2022, présidé par le chef de l'État fort et Sozomenya Singbe. Plusieurs projets contenus dans la feuille de route gouvernementale étaient au centre des travaux de 2 jours. Les jeunes leaders sont en ce moment en conférence au Palais des Congrès de Lomé. C'est dans le cadre de la 5e édition de Confegel, un cadre de découverte de soi et de partage. Le bilan est positif dans la coopération entre le Togo et l'Allemagne. Plusieurs engagements nouveaux ont été pris hier lors des échanges entre les deux parties à Lomé. Plus de 47 millions de Français seront aux urnes demain dimanche. Ils voteront pour le premier tour de l'élection présidentielle. Ils vont départager 12 candidats, dont 4 femmes. Invité du journal, deux maires. D'abord, Madame Agbagulo Adjo, elle est maire de Zio 2, et Ayaouli Kwaku, maire de AV2. Ils se prononcent sur les réserves administratives en cours de création dans leur commune. Sport, football, fin demain dimanche du championnat national de 2e division. Les affiches de la 14e et dernière journée à suivre dans la page de Kilimpoyodi, consacrée aussi au match amical cet après-midi entre Radio Lomé FC et Global FC au stade municipal de Lomé. Fin à Accra du premier séminaire gouvernemental de 2022, présidé par le chef de l'État fort et Sozomenya Singbe. Plusieurs projets contenus dans la feuille de route gouvernementale étaient au menu des discussions. Léontine Atogima. La rencontre de 2 jours a permis essentiellement de faire le point sur le niveau d'avancement des projets et actions prioritaires contenus dans la feuille de route gouvernementale. Sont notamment concernés le programme d'urgence de renforcement de la résilience dans la région des savanes, Savanyalim, la couverture santé universelle, l'accès de tous à l'électricité, l'eau potable et l'assainissement, la construction de logements, de pistes rurales et ponts, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de développement de 15 communes, des échanges thématiques relatifs aux projets d'amélioration de la compétitivité du secteur logistique via la réforme du port, la digitalisation, l'agriculture, la transformation et la modernisation de l'État et les partenariats publics-privés ont eu lieu. Le dernier séminaire gouvernemental remonte au mois de novembre dernier à Accra. Ces rencontres périodiques permettent de renforcer le dispositif de la mise en œuvre des projets en relevant les bonnes pratiques, les difficultés et tous les goulots d'étranglement dans leur exécution. Une fois les difficultés identifiées, des solutions sont préconisées pour un aboutissement heureux des projets. Les jeunes Togolais envisagent leur avenir avec TV5 Monde. Élèves, étudiants et jeunes professionnels participent aujourd'hui même au Palais des Congrès de Lomé aux activités de la 5e édition de la conférence des jeunes leaders Confegel, un cadre de découverte de soi, de partage, d'orientation des jeunes sur les modèles de réussite. Ce rendez-vous est organisé par l'association Précieux Trésors de Vie en union avec TV5 Monde. Le thème est intitulé « Je trace ma vie ». L'idée est de préparer la jeune génération à se projeter dans son avenir social et professionnel. Les plans, le code d'urbanisme des communes du Togo sont à leur phase de pilote et Kilimpoyodi a tendu son micro à un expert. Il s'appelle Dominique Lougui. Il revient sur les différentes étapes de l'initiative, une initiative introduite dans ZIO2 et AV2. Nous avons pour mission d'élaborer les plans locaux d'urbanisme des communes de AV2 et ZIO2. Nous sommes en groupement avec un bureau d'études spécialisé marocain qui s'appelle CID. Notre bureau s'appelle BEDA. Donc ce travail se fait en général en 2-3 phases.
La première phase consiste à aller sur le terrain, faire des enquêtes, faire de la cartographie, parce que pour pouvoir faire une projection sur 25, 30 ans, il vaut mieux maîtriser ce qu'il y a sur le terrain aujourd'hui. Donc c'est au terme de cette première phase-là, qui est la phase de diagnostic de l'existant. Nous avons déjà effectué une première restitution le mardi passé en comité technique. Et aujourd'hui, comme c'est une démarche plutôt participative, aujourd'hui il est question de rencontrer les personnes ressources, la population, la chefferie, pour partager le diagnostic avec eux, afin de l'améliorer, de l'amender éventuellement pour avoir un diagnostic conforme final qui nous permettra d'asseoir la phase de projection du plan d'aménagement. La première phase, c'est l'état des lieux, qui est la cartographie, les enquêtes sur les ménages, la sociologie, etc., tout ce qui est environnemental. La deuxième phase, c'est la proposition de plusieurs scénarios. En général, on propose trois scénarios et on donne les avantages et les inconvénients de chaque scénario. Et au bout de ça, on refait encore une concertation avec les techniciens et la population. Et on retient le scénario le plus optimal qu'on va finaliser en troisième phase. La coopération entre le Togo et l'Allemagne a été revisitée hier. Au terme des échanges, les deux parties ont déclaré un bilan positif des échanges. L'Allemagne et le Togo travaillent en effet dans l'énergie et l'agriculture. Begedoué Panetto, secrétaire général de la planification, du développement et de la coopération. Le gouvernement togolais et le gouvernement allemand se sont retrouvés aujourd'hui en dialogue stratégique de haut niveau pour faire le bilan donc de la coopération entre nos deux gouvernements. Nous nous souvenons qu'en 2020, nos deux gouvernements se sont mis d'accord pour recentrer les domaines d'intervention de la coopération bilatérale sur trois axes majeurs. Le premier axe, c'est le climat des affaires et d'investissement avec une formation professionnelle de qualité en phase avec le marché de l'emploi. Le deuxième axe, c'est la transformation agricole comme moteur de croissance et d'emploi. Et le troisième axe, c'est la bonne gouvernance et le développement des territoires comme levier de croissance inclusive. Et donc, suite à l'adoption de ces trois axes, un comité paritaire a été mis en place pour travailler et valider les réformes qui doivent sous-tendre ou soutenir donc les engagements financiers qui ont été pris entre nos deux gouvernements en juin dernier, signés, dont le PV, les procès-verbaux ont été signés par le ministre allemand et le ministre togolais des Affaires étrangères. Il était bon temps que les deux gouvernements se retrouvent pour faire le bilan de la mise en œuvre des réformes consensuellement validé entre nos deux gouvernements en mars de 2021 et donc projeter les nouveaux engagements aux prochaines négociations intergouvernementales qui sont prévues pour le second semestre de 2022. Le bilan a été positif. Sur la majorité des indicateurs, nous avons enregistré d'importants progrès et vous savez, le Togo est reconnu pour son ambition réformatrice portée au plus haut niveau de l'État. Et donc c'est cette ambition réformatrice qui a été traduite effectivement dans les échanges que nous avons eus ce matin et qui ont été consacrés par des progrès majeurs enregistrés sur les trois axes de coopération avec l'Allemagne. Et donc en termes de nouveaux engagements, nous avons au niveau du gouvernement togolais estimé qu'aujourd'hui il faut renforcer la production agricole avec une intervention beaucoup plus soutenue dans l'irrigation, mais également dans la transformation agro-industrielle et aussi la décentralisation que la partie allemande a saluée, appréciée. Elle est jeune, mais elle est dynamique. Opération ville militante et propre pour marquer le début de l'anniversaire du parti politique Union pour la République Unir. Les populations de la ville d'Atapame ont répondu à l'appel de leur parti. Ces populations ont mis au propre les places publiques. Nous aurons à retrouver Koudjima Kevin Atop Atapame pour plus de précisions. Ce sera dans ce journal. Les plans locaux d'urbanisme destinés à doter les communes d'infrastructures font objet de sensibilisation dans les communes AV2 et ZIO2. Des réserves administratives sont en train d'être créées dans ces deux communes. Madame le maire de ZIO2, Agbagoulo Adjo, est la première invitée et donc elle s'exprime au micro de Kilim Poyodi. Madame le maire, bonjour.
Oui, bonjour. Le gouvernement a initié le plan d'élaboration des plans locaux d'urbanisme, PLU, pour les communes de Zio 2 et de Lavé 2, dans les préfectures de Zio notamment et de Lavé. Ce projet, comment peut-il être bénéfique à vos municipalités? Merci beaucoup. Et je dirais que les plans locaux d'urbanisation sont des documents juridiques importants pour nos deux communes, à savoir AV2 et Zio 2. Avoir la proximité des deux communes, donc il faut qu'il y ait une planification pour pouvoir avoir des communes phares. Et je dirais que ce plan nous permet de maîtriser la consommation galopante de l'espace agricole que nous allons canaliser avec ce plan local de l'urbanisation. Et dans notre commune, ce plan nous permettra de planifier, de bien gérer l'espace communal pour un bien-être social de la population. Quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés dans votre commune sur le plan foncier? Et sur le plan foncier, on a beaucoup de problèmes. D'abord, les lotissements clandestins. Bien vrai que la mairie a mis sur place des services techniques. Chaque jour, ils sont à l'œuvre, ils sont sur le terrain, mais les géomètres nous défient toujours. Ils travaillent dans la nuit, dans l'obscurité, dans la nuit. Donc, ce problème foncier nous tient vraiment à cœur. Des plans, des terrains qui sont lotis deux, trois fois, des triples plans, des doubles plans qui nous dérangent chaque fois au niveau de la mairie. Et aussi, les gens se construisent dans les rues, ne respectent pas les mesures. Ils construisent pêle-mêle, mais ça ne donne pas une bonne vision d'une commune, une bonne vision d'une ville. Donc, vraiment, je tire chapeau au chef de l'État pour avoir initié ce projet et qui va nous permettre de bien canaliser, de bien planifier l'espace communal. Madame le maire de la commune Zio 2, est-ce qu'il y a des projets entrepris bien avant l'élaboration de ce projet au sein même de la commune pour viabiliser les espaces? Oui, je ne dirais pas non. Depuis notre prise de fonction, avec le conseil, on essaie chaque fois d'avoir une belle commune. Donc, à travers un outil de communication très important que nous avons au niveau de notre commune, la radio Cause FM, on organise des émissions pour toujours aviser, alerter la population de respecter les voies, de ne pas construire dans les communes pour pouvoir avoir une commune modèle, une commune phare parmi d'autres communes. Même dans notre plan de développement local que nous sommes en train d'élaborer, tout a été pris en compte pour avoir une commune vraiment chouette. Dans ce nouveau projet, on parle de zonage. Comment est-ce que ce zonage pourra-t-il être bénéfique d'abord à la population et ensuite aux agriculteurs? Et ce zonage serait vraiment bénéfique à la population avec notre appui. Et avec ce projet aussi. Vu la proximité, comme je viens de le dire, de notre commune, même les zones agricoles sont vendues et loties. Mais ce qui ne nous honore pas, nous sommes après tout une commune agricole. Donc, avec ce projet, nous verrons plus clair les zones qui sont délimitées, zones agricoles. Personne ne touchera. C'est nous qui signons les certificats de propriété, les chefs cantons. Eux, ils signent le droit de propriété. Mais si ça arrive à notre niveau et nous voyons que non, que c'est une zone agricole, la mairie ne va pas apposer son certificat. Ça va demeurer zone agricole. Il n'y aura pas de la salade au niveau de la commune. Donc vraiment, c'est une initiative à saluer. Corvier est connu pour la culture du riz. Quand on prend la commune Zio 2, il y a des carrières d'exploitation. Comment est-ce que vous entendez régler ce problème d'exploitation pour qu'on ne laisse pas des zones qui ne sont plus utilisables? Ce problème me tient vraiment à cœur. Les exploitants de carrières, après avoir fini leurs travaux, ils laissent des trous comme ça dans la commune
et ce qui ne nous honore pas. Entre-temps, ils se sont dit qu'ils vont planter des arbres, des eucalyptus et autres pour pouvoir boucher. Mais à chaque fois que les travaux finissent, bien avant la décentralisation, bien avant que nous ne prenions l'arène de la commune, il y a beaucoup d'exploitations qui sont laissées pêle-mêle. Mais avec le conseil, nous allons tous réfléchir et comment faire pour que ces trous puissent trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas trop de crevaisons dans notre commune. La commune Ziode est une commune naissante, une commune, on peut dire, périurbaine. Quelles sont les difficultés ou bien quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés d'abord? Parce que ce projet, c'est vrai, il vient en renfort. Mais vous, dans votre commune ici, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés depuis que vous avez pris fonction? C'est une très belle question. Et depuis que j'ai pris la reine de cette commune, et au début, je me disais que c'est une petite commune. Mais quand je me suis approché, ce n'est pas une petite commune, c'est une grande commune. Et il y a beaucoup d'administrés qui quittent ici pour travailler en ville. Et ceux de la ville qui viennent chez nous. Donc la voie principale à Pécito, chef-lieu, pour aller vers Ouépé, est une voie très empruntée par la population. Donc j'aurais souhaité que les voies les plus autorisées nous viennent en aide pour le bitumage de cette voie principale qui descend à la commune. Les administrés ont toujours sollicité. Ils viennent me voir, ils m'appellent. Surtout ces derniers temps, c'est la doléance top. J'invite les autorités à nous écouter et à satisfaire ce besoin vraiment prioritaire pour la commune Zio2, pour avoir une commune phare, une commune modèle. Des fois même, les gens se disent que quand ils viennent à Corvier, tous leurs véhicules, c'est sale, ils ne peuvent pas porter la tenue blanche, plein de trucs qui me viennent. Et maintenant que la commune est décentralisée, et ils voient qu'on travaille bien, les gens viennent s'installer dans la commune Zio2 et travailler au Grand Lomé. Donc, si on bitume la voie principale à Pécito pour ne pas aller jusqu'à Ouépé-Gbavé, ce serait une belle chose. Ça va booster le développement de la commune et ça va faire que les gens vont plus se déplacer du Grand Lomé pour venir chez nous, parce que chez nous, il y a de l'espace, il y a tout. Tout est bio, il y a du bon vent, le climat est bon. Madame le maire est très gentille. Oui, le bitumage de la voie à Pécito, Bavé, pour arriver à Ouépé, va décongestionner Lomé et va faire développer la commune Zio2. Madame le maire, merci. C'est moi qui vous remercie. Restons toujours dans le même projet de création d'infrastructures communales. Le maire à Yaouli, Kouakou, de la commune AV2, revient sur les potentialités de sa commune, toujours au micro de Kilim Poyodé. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous assistez à la restitution des plans locaux d'urbanisation pour les communes d'AV2 et de Zio2. En quoi ce projet va participer à l'émancipation de votre municipalité? Merci beaucoup. Lors du lancement le 14 janvier dernier à Ouépé, lorsqu'on nous a fait le déroulé de ce projet, nous avons salué ce projet parce que ce serait un outil indispensable pour la gestion de nos territoires communaux. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand vous voyez nos territoires communaux, les rues ne sont pas planifiées et les réserves administratives aussi ne sont pas constituées. Alors pour faire le développement, il faut planifier, il faut organiser. Et nous avons dit également que nous supportons le poids anthropique de la ville de Lomé. Et donc il faut désengorger la ville de Lomé et planifier les zones d'accueil. C'est justement ce pourquoi le chef de l'État, son excellence Foye Soizinanya Sigbe, a justement sélectionné les deux communes pour la phase pilote. Et lorsque cette phase pilote sera une réussite, ce projet va s'étendre sur toutes les autres communes du Togo, les 117 communes du Togo. Donc nous pensons que c'est un outil indispensable pour nous, pour nous permettre de régler les questions liées à la rue, des questions liées à la réserve administrative,
et de savoir là où il faut construire, là où il faut faire l'agriculture, etc., etc. Donc nous saluons vraiment ce projet et nous sommes à pied d'œuvre pour accompagner tous les acteurs techniques sur le terrain pour que cela soit une réussite. Nous avons des problèmes fonciers et liés à l'occupation du sol. Il y a un géomètre qui a déjà fait le lotissement et qui a prévu des rues de 14 ou 16 mètres. Un autre revient pour faire le même lotissement et il reformule les rues qui créent vraiment des problèmes de circulation. Donc cet outil nous permettra de savoir à tel niveau c'est telle rue qui va passer. Et si quelqu'un ne se conforme pas à la réalité, à cet outil qui est l'outil de développement de nos communes, nous aurons l'élément juridique maintenant pour pouvoir sanctionner. C'est pourquoi nous disons que ce plan constitue vraiment une aubaine pour nous. Alors, monsieur le maire, quelles sont les potentialités de votre commune, celle de AV2? Je ne cesse de vanter les mérites de ma commune parce que, je le dis, ma commune est à l'épicentre de la CEDEAO. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a la voie de contournement qui passe et la nationale numéro 5 qui passe aussi et il forme un grand rond-point. Et à côté, nous avons le poste juxtaposé de la CEDEAO. Alors, ces paramètres-là constituent vraiment un atout économique. C'est pourquoi nous lançons un appel pressant à tous les opérateurs économiques de venir dans notre commune pour investir et ensemble, nous allons développer notre territoire communal. Monsieur le maire, quand nous prenons les municipalités, c'est vrai, elles sont naissantes, mais dans votre municipalité particulièrement, qu'est-ce qui se fait sur le plan foncier pour éviter d'éventuels soulèvements lorsqu'il arrivera qu'il faut des réserves administratives, qu'il faut des espaces pour les rues ou qu'il faut des espaces pour construire des dispensaires ou bien même des espaces de loisirs? Merci pour les questions pertinentes que vous me posez et je vais tenter dans une mesure de vous donner des réponses. Vous savez, nous sommes des acteurs à la base et je suis avec la population. Le moteur ou bien le moyen que nous utilisons pour amener tous les acteurs à la base à comprendre la nécessité de planifier notre cité, c'est que nous leur posons. Est-ce que nous voulons le développement? Ils répondent oui. C'est pourquoi, à chaque moment, nous n'hésitons pas de convoquer des réunions élargies avec les CVD, les chefs cantons, les chefs quartiers et autres pour penser au développement de nos milieux. Et nous leur posons la problématique sur le tapis et chacun les approches de solutions que chacun donne. Et nous faisons une synthèse pour nous permettre d'acter valablement sur le terrain. Et donc, nous, ce n'est pas la sensibilisation que nous amenons chacun à comprendre qu'il est temps que chacun mette la main à la pâte pour que nous ayons une cité bien planifiée, une cité bien aérée qui sera vivable pour tout le monde. Voilà ce que nous faisons sur le terrain. Quand on parle de construction anarchique, la commune de Lavé vient en pole position parce que nous voyons même que les gens se construisent jusque même au bord de la route. Est-ce qu'il y a des mesures prises dans cette perspective? Vous aurez pu constater, dans le mois de mars, nous avons lancé une vaste campagne de sensibilisation, d'abord au niveau de la population. Et cette sensibilisation a été relayée par les radios de la place et nous invite les acteurs de venir. Quand quelqu'un veut construire dans la commune, il n'a qu'à venir s'adresser à la mairie. Et il appartient à la mairie de faire une visite, voir là où vous voulez construire. Est-ce que c'est une bonne place? Est-ce que ce n'est pas sur une rue? Est-ce que ce n'est pas une réserve? Ou bien est-ce que ce n'est pas un bas-fond? Donc tous ces paramètres que nous leur expliquons et nous les invitons de venir. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent par venir parce qu'ils ont apprécié la portée de l'information et ils viennent vers chez nous. Parce que vous savez, la loi portant sur la décentralisation nous donne quand même les prérogatives que les maires ou bien les communes délivrent les permis de type A et de type B. Dans ce sens, il faut que beaucoup de la population à la base ne soit pas encore outillée. Donc nous les sensibilisons sur la pratique qui doit être de mise maintenant et nous les sensibilisons pour qu'ils se conforment à la règle de l'art, à la règle de la planification et à la règle de l'occupation de l'espace pour que nous disposions d'un espace bien aéré, des constructions décentes, bonnes à vivre.
Voilà la manière dont nous procédons dans notre commune. Nous sommes avec le maire de la commune de la V2. Monsieur le maire, au Togo, la terre n'appartient pas à l'État, mais appartient aux collectivités. Vu que la terre n'appartient pas à l'État et que vous, ne voyez-vous pas que ce projet va se confronter à une résistance de la population? Je m'en tiens à l'assertion qui dit « pas de liberté pour celui qui est contre la liberté ». Quand vous prenez le code foncier, le nouveau code foncier et domanial, à son article 350, il est dit que celui qui, ou bien propriétaire, qui veut procéder au lotissement de son domaine, il a 50% disponible, utile pour lui, et 50% utile pour l'État. Et donc, les 50%, c'est ça qui constitue les rues et les réserves pour les infrastructures sociales et économiques. Voilà, si quelqu'un ne se conforme pas à cette loi, comme on le dit également aussi, que nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est à tort. Donc, mais est-il que nous devons à la base sensibiliser la population, qu'il s'imprègne, qu'il s'approprie de ces lois-là, et pour que la cité soit vivable pour nous tous. Monsieur le maire, votre mot de fin? Nous, aujourd'hui, nous sommes à la phase pilote. La réussite de cette phase pilote ouvre la voie aux autres communes. Je remercie aussi la voyante population qui est sortie massivement pour s'approprier les résultats d'état de lieu que le cabinet Sid Beta a fait sur le terrain. Aussi, je n'oublie pas aussi les chefs cantons, les préfets, et tous les acteurs qui ont massivement pris part à cette rencontre qui est riche de débats et d'échanges. Vraiment, je remercie tout le monde. Et on espère que tout ce que nous avons dit seront pris en compte pour que le travail puisse vraiment marcher sur le terrain. Monsieur le maire, merci. Merci beaucoup. Retournons donc à Atakpamé comme prévu, opération ville propre pour marquer le début de l'anniversaire du parti politique Union pour la République Unie. Les populations de cette ville d'Atakpamé ont répondu à l'appel de leur parti. Elles ont mis au propre les places publiques. Kojima Kevin Atop Atakpamé. Le bureau préfectoral du parti politique Union pour la République Unie de Lebou a organisé le samedi cet après-midi 9 avril à Atakpamé, chef de la République de Lebou, une opération de salubrité dénommée opération ville militante et propre en prélude à la célébration du 10e anniversaire de leur parti politique Unir le 14 avril prochain. Minute de balai ou coup-coup, râteau et brouette, les militants et sympathisants du parti politique Unir de Lebou ont mis de propre des lieux publics et des aspects de la ville d'Atakpamé, notamment la place du défilé, le monument aux morts et le marché d'Agbonou Kapouma. À travers cette action, le parti Unir entend contribuer à l'assainissement et au développement de la ville d'Atakpamé. L'opération s'est déroulée dans une ambiance de gaieté, de fraternité et de partage. À l'occasion, le secrétaire de secteur du parti Unir, section au bout, dessous de l'épon, a soulevé sa capacité de Tafan Koubé, président fondateur du parti Unir, pour les efforts consentis au quotidien, visant à non seulement unir les fils et filles du Togo, mais également pour le développement du pays. Il a remercié les militants et ses partisans du parti pour leur mobilisation à cette opération de salubrité et également pour la confiance faite au parti. Ensemble, nous allons mettre dans la main bâtir le Togo sous l'instruction du chef de Tafan Koubé, a-t-il souligné. J'allais trouver ça à cette année, pour Dima Kevin, pour Radio Lomé. Hors d'Afrique, élection présidentielle en France, ils seront plus de 47 millions aux urnes demain dimanche. Ils vont départager 12 candidats, dont 4 femmes. Le président sortant, Emmanuel Macron, fait face à des candidats aussi déterminés comme Éric Zemmour, Valérie Pécresse et autres. Pendant ce temps, la tempête Diego menace 300 000 foyers privés d'électricité. Il s'agit des zones comme Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Revenons sur les sports à présent, et c'est avec Kylie Boyodi. Il parle d'abord du football et de la promotion du partenariat public-privé. Donc c'est l'un des objectifs du match amical qui oppose cet après-midi à Lomé, Radio Lomé FC, à une coalition des journalistes de médias privés Global FC. Le match se joue à partir de 15h au stade municipal de Lomé.
Cette rencontre, initiée depuis le début de l'année et qui se concrétise ce samedi, se veut un cadre d'osmose et de symbiose entre les acteurs sportifs, notamment les journalistes. Pour le capitaine de l'équipe Global Sport, c'est un rêve d'affronter les journalistes de la maison mère. Global Sport FC est en forme. Déjà, nous sommes là pour démontrer quand même notre savoir-faire en matière de football à l'équipe de Radio Lomé FC. Et donc, il est bien vrai que nous venons de part et d'autre du pays. Mais nous avons la potentialité là, en tant que journaliste et puis acteur sportif togolais, sur notre plateforme Global Sport, nous parlons toujours du sport en général et c'est ce que nous allons démontrer aujourd'hui en football avec l'équipe de Radio Lomé FC. Nous sommes là pour gagner Radio Lomé FC. Le défi est lancé. À eux de nous prouver s'ils sont vraiment de la radio mère au Togo. Le coach Adjei Jacob de Global Sport estime que le moral de ces poulains est au beau fixe. Et Radio Lomé, on sait que c'est une institution, une grande institution. Déjà, c'est un grand plaisir, une joie pour tout le monde qui sont sur la plateforme pour jouer avec l'institution Radio Lomé. Et puis, les forces en présence, il faut dire que pour le moment, nous sommes sur une plateforme sportive, c'est des gens qui jouent. Il y a des internationaux parmi nous qui vont jouer également ce soir. Donc, les forces en présence sont les internationaux et puis quelques joueurs locaux qui sont aussi en forme. Théophile Dandakou, Stan Agnan, Milek Agbokou, Solim Lemou et bien d'autres joueurs de la sélection de Radio Lomé sont conscients de l'enjeu et Yakoub Ouahabou, attaquant de la sélection, rassure. Combatif, on est très serein. Le regroupement a déjà commencé pour affronter nos amis de Global Sport. On respecte nos adversaires, mais nous sommes vraiment confiants que nous allons remporter ce match. C'est le fair play, nous sommes là pour gagner, ramener la victoire. Oui, on gagne les deux et troisième mi-temps là, bon, on va encore en jaillir, c'est les retrouvailles, c'est le vivre ensemble, c'est le football. Le match débute à partir de 15h sur le stade municipal de Lomé. Revue de presse, le train des élections régionales est en marche. Les représentants des partis extra-parlementaires ont fait leur entrée à la CENI. Pendant ce temps, le secteur social grogne. Le syndicat des enseignants CET poursuit ses mouvements d'Uber. Le gouvernement, de son côté, lance le projet de construction de plus de 300 salles de classe. Revue de presse, Léontine Atogima. C'est Vision d'Afrique qui l'annonce à sa une. Le projet d'appui à la réforme des collèges 2 ambitionne la construction de 384 salles de classe. Ceci en vue de l'amélioration du cadre de vie et des infrastructures scolaires au Togo. Dans les colonnes du journal Le Tonnerre, le ministre en charge de l'éducation, professeur Dodi Kokoroko, appelle au dépassement politique et syndical pour le bonheur des enfants. En effet, face au mouvement d'humeur dans le secteur de l'éducation, des élèves étaient dans les rues cette semaine. Un comportement dénoncé par le ministre en charge de la sécurité qui rappelle les élèves manifestants à la discipline. Écho du pays abonde dans le même sens en invitant les enseignants à mettre de l'eau dans leur vin, de même que le gouvernement a apaisé et veillé au gré du dénouement de la situation. À ce sujet, Togo Matin rassure que l'État prendra toutes les dispositions pour protéger les élèves et les édifices publics. Chronique de la semaine renchérie en citant le porte-parole du gouvernement qui invite les enseignants à se constituer légalement afin de rejoindre la table des discussions. Abondant dans le même sens, Ouara les vainqueurs révèle que le gouvernement a rencontré les organisations syndicales. La situation actuelle dans le secteur de l'éducation était à l'ordre du jour de cette rencontre et le gouvernement a soutenu que la trêve sociale sollicitée est un acte civique, citoyen et d'apaisement social. Elle n'interdit aucun mouvement social pendant cette période pourvu que ce mouvement respecte les dispositions et les lois en vigueur, lit-on dans les colonnes de Ouara les vainqueurs. Politique à présent, Maître Achou Jean-Claude Womao dirigera le bureau provisoire de la nouvelle Commission électorale nationale indépendante, note Gazelle Info. Ceci après la prestation de serment des nouveaux membres devant la Cour constitutionnelle, ajoute Togo Réveil. La tâche qui attend la nouvelle CENI est l'organisation des premières élections régionales au Togo,
relate l'hebdomadaire. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le rappel des titres de ce journal, le gouvernement a bouclé à Accra le premier séminaire de l'année 2022, présidé par le chef de l'État fort et Sozemanya Singbe. Plusieurs projets contenus dans la feuille de route gouvernementale étaient au centre des travaux de deux jours. Les jeunes leaders sont en ce moment en conférence au Palais des Congrès de Lomé. C'est dans le cadre de la 5e édition du Confégel, un cadre de découverte de soi et de partage. Le bilan est positif dans la coopération entre le Togo et l'Allemagne. Plusieurs engagements nouveaux ont été pris. C'était hier lors des échanges entre les deux parties à Lomé. Plus de 47 millions de Français seront aux urnes demain dimanche. Ils vont voter pour le premier tour de l'élection présidentielle et ils vont départager 12 candidats, dont 4 femmes. Invité du journal, deux maires, Madame Agbakoulou Adjo, elle est maire de Zio 2, et à Yaouli Kwaku de la V2. Ils se sont prononcés sur les réserves administratives en cours de création dans leur commune. Et puis sport football, fin du meilleur dimanche du championnat national de 2e division. Les affiches de la 14e journée, et c'est la dernière, ont été proposées dans cette page. Kylian Poyodi a consacré une partie au match amical qui oppose tout à l'heure même au stade municipal de Lomé, Radio Lomé FC à Global FC, et donc c'est un match de retrouvailles. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg.